Florent Claudel, donc éleveur laitier sur la commune de Montaignac-la-Crems, installé depuis août 2015. Aujourd'hui, c'est 90 vaches à la traite, 900 000 litres de lait produits sur l'exploitation. Le bien-être animal, c'est aménager les bâtiments fonctionnels, amener par exemple l'été de la ventilation et de la brumisation pour les vaches, également amener des brosses pour qu'elles se brossent toute l'année, un paillage régulier tous les jours, toute la semaine, et un curage toutes les semaines, du fourrage de qualité et ainsi de suite. Ensuite, c'est entre 130 et 160 hectares cultivés sur l'exploitation. On essaye d'avoir l'autonomie alimentaire le plus rentable possible, on achète juste de la paille. C'est une bonne alimentation au début et derrière une bonne hygiène de traite et une bonne qualité du lait à la traite. Nous mettons le lait 200 litres à pasteuriser à 8 heures et à 13 heures les 1500 yaourts sont fabriqués, ils sont mis en étuve et ce soir ils pourront être dégustés. Donc en une journée on peut faire une fabrication de yaourts. Les retours clients aujourd'hui sont bons. La clientèle est toujours présente et continue de s'agrandir. Derrière, avoir un sourire du consommateur sur notre bon produit, c'est très important. Le métier d'agriculteur représente pour moi une passion. On a besoin d'installer des jeunes, on a besoin de motiver des jeunes. Il vous faut motiver avec votre projet en tête, votre projet établi. Et derrière, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous investir dans une exploitation et créer votre propre outil de production. Après, le métier d'agriculteur, c'est vivre dans la nature, vivre avec les animaux. C'est surtout être passionné avant tout. Et même si un agriculteur veut reprendre des terres ou reprendre une exploitation, c'est possible. Il a juste besoin d'être motivé, d'être passionné et surtout bien étudier son dossier.